Amis, frères et sœurs, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous regardent en France ou à l'étranger. Bienvenue à vous qui êtes fidèles ou de passage dans cette paroisse. C'est le temps de l'été, avec cette liturgie que nous conservons pendant ces deux mois de juillet et août. Alors que ce culte soit un moment de paix et de ressourcement, de joie et de communion. Pour chanter, nous avons deux recueils, le psautier français et le louange et prière. Dans le recueil du psautier français, vous avez au tout début cet ordre du culte du temps de l'Église. Donc je vais vous inviter à suivre les différentes stations. Et pour commencer, après la salutation, je vous invite à vous lever pour chanter « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Et tu nous conserves la vie. Nous te louons. Tu es lumière. Tu nous éclaires et tu nous réjouis par ta lumière. Nous te louons. Tu es joie. Tu nous donnes de partager ta joie. Nous te louons. Tu es espoir. Tu traces et tu prépares nos sentiers. Nous te louons. Tu es amour. Tu nous permets de vivre dans l'amour. Oui, Seigneur, nous te louons. Et je vous invite à prendre maintenant le chant du psaume 103 que vous trouverez donc dans ce recueil, le psautier français. De ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 2, 4 et 7. Chose, car le
Prenez place. Écoutons la volonté de Dieu à notre égard. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes. Dénoue les liens de tous les jougs. Renvoie libres tous ceux qu'on opprime. Mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison les malheureux sans asile. Couvre ceux qui ont froid. Et ne te détourne pas de ceux qui sont ta propre chair. Alors, ta lumière se lèvera comme l'aurore. Tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et il répondra, « Me voici ». En restant à nos places, nous prenons le répond, « Parle, parle Seigneur, ton serviteur, écoute ». Ensemble, confions à Dieu tout ce qui nous sépare de lui, des autres et de nous-mêmes. De notre indifférence et de notre ingratitude en ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme, de tout manque de générosité envers notre prochain comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté et de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité et de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Amen. Et nous prenons le répond, « J'aime mon Dieu, car il entend ma voix ». Oh.
Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit le Seigneur, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma miséricorde. Chantons à Dieu notre reconnaissance et nous prendrons le répond « Oh que ces choses belles !» Restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure dans notre esprit et nous atteste que nous sommes les enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ et je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Et nous chantons le répond « Grand Dieu, nous te bénissons ». Prenez place.
Et au moment où nous allons ouvrir la Bible pour y entendre la parole que Dieu nous adresse, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence aujourd'hui et pour nous révéler ton amour. Alors, fais taire en nous toute autre voix que la tienne et par la présence de ton Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Oui, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à lire aujourd'hui, à entendre en tout cas, un extrait de l'évangile de Luc au chapitre 1er, les versets 39 à 56. C'est un épisode que vous allez sans aucun doute reconnaître. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle poussa un grand cri et dit : Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Alors Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, à cause de Dieu, mon Sauveur, mon esprit s'est rempli d'allégresse, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen.
Amis, frères et sœurs, si je vous pose cette question, mais vous, les protestants, vous ne croyez pas à la Vierge Marie ? Beaucoup d'entre vous reconnaîtront une affirmation souvent maladroite, mais tout de même bien répandue, qui indique la méconnaissance dans laquelle la foi protestante est tenue. Alors, généralement, suit une autre question. Mais alors, le 15 août, qu'est-ce que vous faites ? Alors, il faut répondre avec beaucoup de diplomatie. Que ce jour-là, nous le passons le plus simplement du monde, puisqu'effectivement, nous n'avons pas, comme les catholiques ou les orthodoxes, de célébration concernant l'Assomption de Marie. Alors, c'est justement une question que l'on m'a posée hier matin, 15 août. Cette question peut paraître naïve aux oreilles de certains, mais les protestants sont des chrétiens qui, parfois, font bande à part, en particulier en ce qui concerne Marie. C'est vrai qu'ils rejettent radicalement un certain nombre de dogmes de l'Église catholique qui leur paraissent éloignés, voire étrangers à la pensée biblique, comme par exemple Marie, médiatrice entre le croyant et Jésus, ou le croyant et Dieu, ou encore la doctrine de l'Immaculée Conception selon laquelle Marie aurait été préservée du péché originel, doctrine officiellement reconnue en 1854, ou encore celle de l'Assomption fêtée le 15 août, célébrant la glorification de Marie ou Marie élevée au ciel, reconnue seulement en 1950. Les orthodoxes diffèrent des catholiques sur ces deux doctrines. Ils ne reconnaissent pas l'Immaculée Conception et non plus l'Assomption par voie de conséquence, lui préférant ce que ils appellent la dormition, doctrine selon laquelle Marie, soumise comme tout un chacun à sa condition humaine, meurt, puis ressuscite, puis est élevée au ciel. Ces doctrines n'étant pas basées sur l'Écriture, mais plutôt sur la tradition ou la piété populaire, les protestants restent volontairement en retrait sur ces deux faits, ce qui ne les empêche pas d'avoir un sérieux respect, voire un attachement certain pour la mère de Jésus. D'ailleurs, au moment de la Réforme, le conflit entre l'Église catholique romaine et les réformateurs ne portait pas sur la personne de Marie, mais sur le salut par la grâce au moyen de la foi. Et Luther, en particulier, avait maintenu ces fêtes de l'Annonciation, de la Visitation et de la Purification parce qu'elles ont un fondement scripturaire. C'est pourquoi nous pouvons découvrir ou relire en toute liberté et sans aucune culpabilité le commentaire fervent que fait Luther du Magnificat, dans lequel il reconnaît, je cite, « la douce Mère de Dieu » qui nous enseigne par l'exemple de son expérience et par ses paroles comment on doit reconnaître, aimer et louer Dieu. Fin de citation. Nous pouvons aussi écouter avec le plus grand émerveillement le Magnificat de Jean-Sébastien Bach. C'est pourquoi, avec l'ouverture officielle du dialogue œcuménique entre les églises chrétiennes au XXe siècle, eh bien, il était naturel que les protestants se réapproprient, voire, pour certains, se réconcilient aussi avec la figure de Marie présente dans les Écritures. Ne nous méprenons pas. L'objet de la foi chrétienne n'est pas Marie, mais bien Jésus, le Christ. Si Marie ne tient pas une place importante dans la piété protestante, elle l'est et elle reste la mère de Jésus. Les protestants s'accordent à dire qu'elle demeure le visage de tout premier disciple du Christ et qu'elle est notre sœur dans la foi chrétienne. Et si nous avions besoin de découvrir ou de redécouvrir le personnage de Marie,
C'est évidemment sur la base des témoignages bibliques qu'il faudrait le faire, mais en gardant à l'idée que les Écritures ne nous donnent pas un accès direct au personnage de Marie. Tout comme pour Jésus ou les disciples, nous ne pouvons rencontrer Marie qu'au travers des témoignages qui construisent chacun des évangiles. Chaque évangéliste en parle, mais chacun avec ce qu'il a reçu et compris du message du Christ. Mais finalement, n'est-ce pas une aventure qui commence ou recommence à chaque fois que nous ouvrons nous-mêmes la Bible ? Les Écritures ne sont pas là pour nous conforter dans nos habitudes ou nos traditions, mais au contraire, elles viennent les bousculer, les déplacer, autrement dit, les réformer. Si Marie est présente dans les quatre évangiles à des endroits très différents, seuls ceux de Matthieu et de Luc font référence à la naissance et à l'enfance de Jésus. Alors aujourd'hui, nous nous intéresserons davantage au récit de Luc, racontant cette visitation entre les deux cousines, Élisabeth et Marie. Luc écrit son évangile pour un monde païen, c'est-à-dire une société construite sur d'autres images de Dieu ou d'autres images divines, et dont le fonctionnement est basé sur la puissance, la richesse, l'orgueil. Mais au fond, notre société, 21 siècles après, est sensiblement la même qu'au temps de Luc. Alors, la parole de Dieu serait-elle impuissante à changer quoi que ce soit ? Malgré le témoignage en parole et en acte de la nuée des témoins qui nous ont précédés ? Et si elle ne change rien, alors pourquoi l'écouter encore aujourd'hui ? La foi qu'elle suscite ne serait-elle qu'une illusion ? Peut-être même un certain opium du peuple, évitant de réfléchir, de penser, de critiquer. Nous venons de lire ce cantique de Marie, qu'on connaît mieux sous son appellation latine Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, et on entend la louange de cette femme qui clame son bonheur. Mais si nous regardons attentivement le texte, nous pouvons être surpris par son contenu. Les deux cousines, Élisabeth, la femme âgée qui a dépassé l'âge biologique de la maternité, et Marie, la jeune fille qui n'est pas encore mariée, donc légalement ne peut pas être enceinte, sont ensemble. Elles échangent leurs sentiments sur leur maternité respective. Élisabeth a salué la visite de Marie en s'écriant « Bienheureuse celle qui a cru !» Et Marie répond à Élisabeth « Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse !» Jusque-là, pas de grande surprise. Par contre, tout le reste de la prière de Marie pose question. Les mots de Marie sont surprenants, inattendus, même dans la bouche d'une toute jeune femme qui n'a a priori aucune expérience de la vie. Et pourquoi cette femme que Dieu a choisie pour être la mère du Sauveur commence-t-elle par dire son humilité ? Les premiers mots de ce cantique rappellent un autre cantique de l'Ancien Testament, celui que nous pouvons retrouver dans le premier livre de Samuel. Ces mots étaient déjà présents dans la bouche d'Anne, la future mère de Samuel. Anne, stérile, pleurait de ne pouvoir donner naissance comme elle le devait. Elle avait crié à Dieu sa détresse, « Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder l'humilité de ta servante et lui donner un fils, alors je te le donnerai. » Anne serait-elle un modèle d'humilité ? Non, pas forcément, mais plutôt un modèle d'humiliation. Parce qu'on se moque d'elle, on la méprise parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et même sa propre prière dans le temple est mal comprise par le prêtre qui croit qu'elle est ivre, tellement son chagrin lui faisait perdre le contrôle de son comportement. Alors son destin de femme dans ce monde ancien est anéanti et réduit au néant. Elle existe, mais elle ne peut remplir sa mission qui est de donner la vie
et d'assurer la survie de la dynastie en donnant une descendance. Mais les premiers mots du Magnificat de Marie peuvent aussi nous faire penser à une autre histoire, à celle de Léa dans le livre de la Genèse, l'épouse délaissée puisque Jacob lui préféra Rachel. Léa, abandonnée, ne trouve plus de justification à son existence, mais néanmoins, Léa attendra un enfant et elle mettra au monde Ruben. Et quand elle apprend cette nouvelle, Léa laisse éclater sa joie avec ces mots « Le Seigneur a daigné regarder mon humiliation. » Et Léa dira encore, après avoir mis au monde Siméon, Lévi et Judas, « Toutes les femmes me diront bienheureuse. » Alors ces paroles entre le premier et le second testament font écho. C'est le langage de la prière de la femme à qui jusqu'à présent le bonheur de participer à la bénédiction a été refusé. C'est le langage de l'épouse qui se désespère de ne pouvoir honorer ses engagements et faire rater la promesse qui avait été faite à Abraham au tout début de l'Alliance. Une descendance innombrable. C'est encore le langage de la prière de la femme qui découvre que son vœu le plus cher est enfin exaucé et qu'elle ne sera plus la honte ni de son couple, ni de sa famille, ni de la société. Au fond, le Magnificat est une prière qui aurait sans doute mieux trouvé sa place dans la bouche d'Élisabeth. Car enfin, l'épouse stérile dans cette histoire, c'était bien Élisabeth. Alors au lieu d'écrire « Et Marie s'écria », il aurait peut-être fallu mettre « Alors elle s'écria » en relation avec Élisabeth et retrouver ainsi une certaine logique. Ah, une logique, oui, mais une nouveauté, non. Luc écrit son évangile dans le but de témoigner, comme les autres évangélistes, de sa propre foi. Le texte final a été rédigé au plus tôt en 70, bien après sa mort. Nous avons certainement affaire à une prédication de la première Église, inspirée sans doute par quelques souvenirs, mais nourrie surtout du souci de montrer aux générations futures comment la naissance de Jésus est en accord avec les prophéties de l'Ancien Testament. On ne peut pas douter que les rédacteurs des évangiles aient fait un travail sérieux. Donc, à notre tour, lorsque nous travaillons les textes bibliques, on ne peut que découvrir comment les évangélistes ont récolté, compilé, en quelque sorte, les traditions juives pour les actualiser à chaque génération. Et c'est certainement une liberté que nous avons encore à prendre aujourd'hui. Le Magnificat de Marie est une prière juive très ancienne, remplie de références scripturaires qui en font une prière liturgique destinée au culte. Au départ, c'est la prière d'une femme stérile, certes abandonnée, sûrement, en tout cas, c'est la prière d'une créature qui n'a rien d'exceptionnel, qui n'a rien à faire valoir, et c'est aussi la prière de tout un peuple qui ne compte que sur l'alliance que Dieu a conclue avec lui. Et lorsqu'on continue la lecture de ce texte, nous pouvons souligner le caractère subversif des paroles de cette prière qui n'ont rien à envier à certains manifestes révolutionnaires de tous âges. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône. Il a élevé les humbles, les affamés, les a comblés de biens et les riches. Il les a renvoyés les mains vides. Il y a de quoi ébranler les dictatures les plus solides, notamment en Amérique latine, qui avaient interdit le chant du Magnificat dans les églises, où il y a de quoi faire s'écrouler certains trônes de la finance. Mais ces paroles sont autrement plus subversives lorsqu'elles annoncent un renversement spirituel, disant d'une certaine façon que les derniers seront les premiers et que les enfants, les petits, les prostituées et les collecteurs d'impôts précéderont les théologiens et les autres organisateurs de la vérité. Ces paroles peuvent alors surprendre.
lorsque nous les entendons dans la bouche de Marie, une jeune fille simple, modeste, mais qui a fait le pari de la foi, autrement dit de la confiance, quand elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Confiance dans l'ordinaire de sa vie, alors qu'elle rend visite simplement à sa cousine. Mais elle relie sa vie, du verbe relier, à celle de la nuée des témoins qui l'ont précédée, en y mêlant le chant des psaumes qui accompagne Israël tout au long de son histoire. Ces paroles nous rejoignent précisément dans l'état actuel du monde, en particulier dans notre contexte contemporain de pandémie, où nous découvrons chaque jour par les nouvelles comment le fossé s'accroît tragiquement entre les riches et les pauvres, entre ceux qui ont un travail et ceux qui l'ont perdu ou qui risquent de le perdre. La promesse de justice clamée dans la prière de Marie ne peut résonner que comme un cri à la fois de détresse et d'espérance, mais qui rappelle les cris qui relient les êtres humains à travers le monde, bien au-delà de toute barrière confessionnelle ou religieuse. Mais dans l'évangile de ce matin, Marie prie librement avec les paroles qui laissent la place ni au regret ni à la tergiversation. Elle prie avec des mots qui supposent l'accomplissement de son attente. Remarquons aussi que pas une seule fois l'enfant qu'elle porte n'est mentionné. La prière de Marie opère un véritable décentrement. Ce n'est pas son histoire personnelle qu'elle raconte, mais elle s'inscrit avec celles et ceux qui l'ont précédée dans la grande histoire du peuple de Dieu, et elle ouvre le chemin pour celles et ceux qui viendront après elle. C'est en cela, me semble-t-il, que réside la nouveauté. Quelques versets auparavant, l'ange Gabriel avait promis à Marie un enfant à la destinée apparemment merveilleuse, dont elle ne semble tirer aucune fierté personnelle, parce que l'enfant qui arrive dépasse largement ses attentes de future mère, en rejoignant plutôt l'attente d'Israël et plus largement l'espérance d'un monde touché à nouveau par la grâce de Dieu. Avec Marie, nous sommes au seuil de ce royaume que Jésus inaugurera dans quelque temps, pas encore établi, mais déjà là, tout entier dans une personne. Cet homme qui plus tard dira sur la croix, « Tout est accompli ». Aujourd'hui, la descendance promise à Abraham au fil des siècles, qui ouvre le peuple juif aux dimensions de l'humanité, sera une descendance espérée mais inattendue, qui va bousculer pour Marie les règles de l'enfantement, pour Élisabeth les règles de la stérilité, et qui mettra aussi en place de nouvelles règles dans les relations humaines et familiales. Jésus ne dira-t-il pas plus tard « Qui sont mes frères et mes sœurs ? Qui est mon père ? Qui est ma mère ? Mais celles et ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus inaugurera encore une nouvelle relation filiale au moment de sa mort, disant à Marie et à Jean « Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. » Ou une manière symbolique de rassembler Israël, la racine qui nous porte, et l'Église naissante aux branches infinies. Le salut est donné depuis le tout début. Il nous est simplement demandé de le célébrer. Et au fond, nous avons toutes les raisons d'être joyeux, car faut-il le rappeler, le nom de Jésus veut dire « Dieu sauve ». Et non pas Dieu punit ou Dieu se venge. Et Marie attend cet enfant qu'en lui beaucoup reconnaîtront comme le Messie. Et au nom de Dieu et de son amour sans condition, dira comment il ne nous accuse pas mais nous encourage, ne nous juge pas mais nous pardonne, ne nous exclut pas mais nous accueille. Et nous aide à nous tirer d'affaire, tout simplement parce qu'en fait, il ne met pas son pouvoir au service de la colère de Dieu, mais de son amour tout entier.
Alors oui, amis, frères et sœurs, il nous faut célébrer cette bonne nouvelle. Et puisque ce texte est dans l'Évangile, c'est aujourd'hui la prière de l'Église universelle. Et pas simplement celle d'une Église en particulier. Et je crois que le Magnificat peut être aussi notre propre prière, ici et maintenant. Car, dans le monde qui est le nôtre, quel temps prenons-nous pour dire « Mon âme exalte le Seigneur » ou « Magnifique est le Seigneur » ? Est-ce que nous avons seulement des raisons de nous réjouir de la sorte ? Ne serait-ce pas de la provocation pure alors que notre monde souffre si injustement, si nous écoutons les dernières informations tragiques, que ce soit au Liban ou en Afrique, mais alors que nous sommes aussi accablés par des tourments ou des tristesses, voire des culpabilités incompressibles ? Eh bien oui, et c'est peut-être ça la vraie subversion de notre quotidien. Nous sommes invités à nous réjouir et à dire notre reconnaissance, pourtant, malgré, parce qu'il nous est proposé de regarder attentivement chacune de nos vies, tisser immanquablement des preuves d'échecs ou de déceptions, mais de bien repérer comment une relecture de nos existences peut se faire et de reconnaître là où il y a eu ces petits moments de joie où tant de bonnes choses ont eu lieu, où peut-être des prières exaucées ou encore des désirs comblés ou une rencontre qui a permis le partage, l'échange et peut-être même une maladie guérie ou en tout cas qui offre un temps de rémission. Le Magnificat nous aide à repérer comment nous avons été aimés, accompagnés sur nos routes humaines. Et c'est à chacun de nous, dans le secret de nos cœurs, de compléter la liste. Alors, en ce week-end dit de l'Assomption, eh bien oui, mes amis, mes frères et sœurs, dans la foi, accueillons la prière de Marie comme le chant du monde. Et oublions tout esprit de polémique et cherchons toujours dans le texte qui nous est donné, qui nous est offert, la bonne nouvelle dont nous avons, nous les premiers, tellement besoin. Une bonne nouvelle qui libère des antagonismes, des méfiances, des conflits et qui invite à la confiance, à la réconciliation, non seulement avec nous-mêmes, mais avec les autres. Amen.
Dans le recueil Louanges et prières, je vais vous inviter à prendre, vous imaginez à juste titre, le cantique 88, qui s'appelle justement le cantique de Marie. Mais j'en profite pour vous faire une remarque musicale. La mélodie est la même que celle du psaume 8. Et donc, il n'y a pas eu besoin de créer une nouvelle mélodie pour ce cantique de Marie, s'inscrivant ainsi dans la continuité. Donc, cantique de Marie, nous chanterons les strophes 1, 4, 5 et 6. Et pour cela, je vous invite à vous lever. Place. Alors c'est le moment des annonces qui cette semaine sont encore réduites au minimum vital, c'est-à-dire le partage de la parole justement avec cette pause spirituelle qui a lieu les mercredis midi de 12h30 à 13h30 ici même dans ce temple,
avec la distanciation physique recommandée et les masques, bien entendu. Donc soyez les bienvenus, si vous êtes libres, le mercredi prochain, sur ce thème, se relever des fléaux, où nous explorons plusieurs pistes diverses et variées pour réfléchir et parler ensemble, mais aussi prier ensemble. Je voudrais remercier Alexandre Korovitch, qui nous accompagne aujourd'hui à l'orgue. Merci infiniment de ton accompagnement. Je suis de permanence jusqu'au 31 août, donc si jamais vous aviez envie, besoin de venir me voir, partager un café, un petit moment, eh bien, vous appelez quand même parce que, bon, ça m'arrive d'être quelquefois en visite, mais nous prendrons rendez-vous et nous ferons plus largement connaissance. N'hésitez pas. Alors, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, sauf que nous enchaînons évidemment avec l'offrande. Et l'offrande, eh bien, c'est le moyen que nous avons de donner un peu de nos biens, ne serait-ce que pour aider notre Église à continuer sa mission, aimer son prochain comme soi-même et venir en aide aux plus démunis. C'est sa vocation première. Avant de nous unir dans la prière d'intercession, je voudrais indiquer encore aux personnes présentes de lorsque vous sortirez, merci de laisser les cantiques à vos places. Et aussi, vous savez qu'on a un dernier morceau d'orgue qui conclut ce culte. Si vous en avez le temps, bien écoutez, restez et profitez de ce moment musical. Et nous prions les uns pour les autres. Éternel Dieu d'amour, tu nous as appelés à l'unité pour que nous vivions cette unité dans l'harmonie, et pourtant nous sommes divisés. Entre confession et religion, entre riches et pauvres, parfois aussi entre hommes et femmes. Alors nous t'en prions, brise les barrières que nous avons élevées entre nous et délivre-nous de cet orgueil et de cet égoïsme qui nous poursuivent. Et par la puissance de ton esprit, donne-nous la guérison qui vient de toi.
Éternel Dieu de la vie, comme Marie, nous avons des choses à discuter avec toi. Tous les pourquoi, tous les comment qui traversent nos vies. Alors, comme Marie, apprends-nous à nous dessaisir de nous-mêmes dans un oui à ta parole, confiant et déterminant. Oui, comme Marie, fais-moi goûter la liberté de te servir. Servir le bonheur de ta grâce sans condition pour tous les humains, humbles ou puissants. Servir la forte espérance des grands renversements de ta justice. Mais voilà, comme Marie, moi-même je ne comprends pas tout ce que je vis ou tout ce que j'entends. D'une façon ou d'une autre, la mort et la souffrance m'ont aussi transpercée. Alors, éternel Dieu d'amour, que reste-t-il de moi, sinon une mémoire assombrie qui attend la lumière de ton esprit? Et moi aussi, d'une certaine façon, je voudrais que toutes choses, que retenant toutes ces choses, ton amour porte et emporte mon chant pour toi et pour ta justice. Dans cette confiance libératrice, je vous invite à unir nos voix dans cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne sa paix. Amen. Et nous chanterons le dernier répond de la liturgie qui s'intitule « Confie à Dieu ta route ».
et je vous souhaite un très beau dimanche.